Moi na maman, kobuka na te yoka li solo Maman Justovitz, yene coach le posu ya nzoto na bino. Ayena bakisi, ozo traité ba tempo, banduta. Bobo kona nenga na nenga oepe sa gambino pe bo soto na katsi ya nzoto na bino Loko la poche des yeux, ridna elongi. Vieillissement, au profiter na cash ne okoma kobo melongi. Okoma koko ke la nzoto na osoni. Kobuka na te, lukaka ka maman Justovitz. Okozonga leke leke, mwete mwete. Kou, maman na ngaye. Babi maman Justovitz, azo soigne nyon so etali lo posu yanto tonabino. Yon moutobete la batampo. E sala kezanvete si la kate. E lo nye nzuluka. E koma loko mbatoume na depo makala. Yaka pote bi dote azaka ka moko. Koch azaka ka moko. Kozoye eza nango fasil. Azape na Facebook, WhatsApp, basit nyon so internet. Soki yon lingon zo wa produ na e, livraison nango eza partout dans le monde. Tobeta www.justovitz.com. Azoce la paix contributive. Tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737. Nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737. Balapa. Un grand merci à tous nos fidèles abonnés qui est scotché, branché sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision, en train de nous regarder partout dans le monde entier à travers la ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Donc c'est bien moi votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré des DND Karanaeb Sarabino. Appelle-moi Mister Tokos Petit Mekostonets Karanafilma Puntakite. Donc voilà, un grand merci aussi à toute l'équipe technique qui est là aujourd'hui avec moi. Donc voilà, et la personne qui est derrière la caméra, lui c'est Couleur. Pourquoi pas de dire aussi un grand merci à Jordan Panzou. Et je dis un grand merci à Gédéon. Un grand merci encore une fois de plus à Alain Ndele, Ndele Yaba Alain. C'est lui le patron de cette chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Donc voilà, restez vraiment branchés, abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance Télévision avec cette très belle émission Tofongola Masolo, c'est-à-dire vous ne serez jamais déçus. Merci Nabane de Koutou Bopé Sabiso Barimark. Merci Nabane de Koutou soutenir Bisso. Donc Nzambe à Zalanabino. Je dis un grand merci aussi à les sponsors le plus célèbre, notre papa, notre vieil Yadjani Sita. En tout cas, Nzambe à Batelayo depuis Suzerland. Donc voilà, comme je vous avais promis que Vini Mbouya, je serai aujourd'hui avec un homme, avec un artiste. C'est avec lui qu'on va essayer quand même de discuter, on va essayer quand même de parler pour plus de précision par rapport à ce qui est en train de passer au sein du groupe SNARC avec notre sœur Élise. Donc voilà. Il est déjà à côté de moi, je ne sais pas couleur, à ce que coupé ça. La chance, il y a que Solana invité Nanga qui est à côté de moi. Donc là, je dis directement bonjour à mon invité qui est là présent. Bonjour Larocque. Bonjour Vini. On est suivi partout dans le monde entier à travers cette chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Nabi, que c'est la toute première fois où les Kana chaîne Oyo avec cette émission Tofongola Masolo depuis Balchik. C'est la première fois où les Kana vraiment une émission à Frère Nayo. Je ne sais pas. Un mois dur, tout bon, la mission va découvrir la rock, les lots, la nouvelle tendance télévision et puis la émission Tofongola Masolo. Merci beaucoup Vini. D'abord je te remercie parce que tu es quand même un frère de longue date. Nous avons eu à partager un même banc à l'université. Et je suis très content de te voir émerger positivement comme ça. Et je pense que c'est le cas pour toi aussi. Alors, Bande Konabiso, il y a Nouvelle Tendance TV de partout où vous êtes dans le monde. Je vous dis bonjour et je vous dis merci d'être branché parce que je pense que je posais là qu'il y a une mission Oyo et on est là pour parler de ça. Je rends grâce à Dieu parce que peut-être que je ne suis pas vous au Ravananga. J'étais un peu malade, je suis un peu convalescent, mais comme c'est Vini, et comme c'est Congo Tendance, comme c'est vous. Nous sommes là pour éclaircir, pour parler de cette histoire de l'affaire entre Sinark et puis notre sœur. Voilà, les gars, vous comprenez, lui, c'est Nick Larocque. On a bien plus Nick Larocque. On a un autre ami de longue date, donc c'est pas facile parce qu'il est un peu malade, santé ça peut déranger. Mais et voilà, nous avons salué sur grâce pour qu'aujourd'hui qu'on puisse voir l'opportunité, la facilité de bien parler avec Larocque. Larocque, mais qu'on peut expliquer ce moment que n'a pas de côté bolanda aussi que la rock ni la rock rôle naïo rôle ni oyo joua ka na quatre il y a groupe snark topé fonction je sais pas parce que les baby ka qui est la rock il y a groupe snark maintenant quel est le rôle oyo joua ka na quatre il y a
groupe Snark, tout fonctionne dans le cadre groupe Snark. Bon, jusqu'à la preuve du contraire, je suis le directeur artistique du groupe et je suis le chargé de tous les acteurs et aussi je m'occupe de tout ce qui est recrutement dans le groupe Snark. Je ne sais pas, quels sont les articles ou les arguments au recruteur là, au recruteur, au salaire recrutement, il y a acteurs, actrices, tu as dit que tu as dit groupe Snark, articles solides. Je sais pas, et ça la ramène. Non, d'abord, il faut être diplômé d'État. Mm-hmm. Ça, c'est d'abord le socle. Et puis après, il y a un casting. Il y a un casting qui se fait pour voir le niveau et aussi pour voir si la personne est réellement un artiste. Parce que nous voulons avoir des artistes, ok? Même si tu ne connais pas encore bien faire le travail, mais au moins on est rassuré que tu es un artiste. Tu vois, tu es un artiste, nous allons t'apprendre, nous allons te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Et voilà quoi. Et si c'est bon, que aux artistes, voilà. Et puis il y a des formations à suivre jusqu'à ce que, au commande à EP. T'as fait combien d'années au sein du groupe Snark? Ouf, moi ça fera pratiquement dans quelques mois, ça fera 10 ans que je suis dans Snark. Ça fera pratiquement. Dis-nous un peu, c'était comment arriver dans le groupe Snark, Banane Bayambayo. C'était comment? Comment est-ce que vous avez un niveau auquel le groupe Snark? Parce que moi, je sais bien que quand on était à l'INA, on était avec toi dans Autobinga AC, animation culturelle. Mais là, on est allé plus rapidement dans le groupe Snark, au Komambalamor, dans le théâtre et tout comme ça. Bon, alors. Moi j'étais déjà en 2007, j'étais dans un groupe qu'on appelait Bon Marché Cinéma dans le quartier où j'ai grandi. On a commencé un groupe, à l'époque on est passé d'ailleurs sur une grande chaîne, si tu me permets je vais citer, TV5 Monde. On est passé là-bas pour parler des films africains et ça c'était en 2008. Après, on devait commencer une série télévisée qu'on appelait Bélina. Alice Boliomi, que je salue, qui était la présidente de ce groupe. Mais après, il s'est fait qu'on n'a pas pu le faire. Voilà. Dieu n'avait pas permis. Et après, je me suis dit, bon, je reste encore chez moi. Hein, je vais trouver. Comme c'était ma passion, je me débrouillais, j'appelais des potes de temps à autre pour travailler et tout et tout. Mais après, j'ai un frère qui s'appelle Gervais Kambala, que je salue. C'est lui qui avait suivi le recrutement à Snark pour une série télévisée. Alors lui il était parti. Après quand il est arrivé, il a commencé. Après il m'a dit, non mais écoute, le Snark est en train de recruter pour une série télévisée. J'ai dit mais non, non mais écoute, tu viens. C'est comme ça que je suis venu. Et en arrivant au groupe Snark, on a commencé une série télévisée aussi dans Snark. Je crois à cette époque, la série Ma Famille, les acteurs venaient d'arriver à Kinshasa. Et quand ils sont arrivés, je crois le président Caleb et beaucoup de respect, le président Pius Mwabilou, l'honorable, l'excellence, le ministre qui, à l'époque, qui voulait aussi faire une série aussi, pas pour rivaliser Ma Famille, mais seulement pour aussi, copier à moi bien. Et on voulait faire une série comme ça. Et nous avons commencé des répétitions, on avait commencé même un tournage, mais malheureusement, ça n'avait pas abouti. Et tout le monde a bandé, Kendaki. Alors, j'étais resté le seul acteur. Et je salue mon frère Patrick Mpoutou qui est en Europe maintenant. C'est avec lui et Renate Yoba, Grace Maïsa. Il y avait beaucoup d'artistes avec le maître Omar, Papa Yakite. On était vraiment un conglomérat. Mais malheureusement, ça n'avait pas aussi abouti. Et tout le monde était parti, je suis resté seul. C'est comme ça que le président Caleb m'a dit, ok, je te retiens maintenant dans Snark. Parce que c'était Snark, mais c'était un département.
Nous étions venus juste pour faire la série télévisée et puis partir. Ok. Mais après, quand tout le monde je suis resté seul. On m'a dit, ok, toi, on te retient. Comme tu es fidèle, on te retient, tu restes. Moi, je me suis dit, non, moi, je voulais partir. Paix à son âme, mon grand frère Koko Kalala, c'est lui qui m'a dit, Coxon, c'est lui qui m'a dit, écoute, petit Nangaye, et Simba, reste. Et je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, je suis directeur artistique du groupe. En tout cas, un grand merci. Nabatou Boyan Dabiso Boyoki, un peu histoire moquée à Nick Larocque. Et puis Boyoki, et l'Okonimi, et ça là, que pour que notre frère Nick Larocque a s'intégré dans le cadre où il y a groupe Snark. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a tu as de films où il a réalisé déjà dans le cadre où il y a groupe Snark, depuis l'intégration à eux jusqu'à ce jour? Bah oui, j'en ai fait. Parce qu'après, un moment, en étant acteur, je me suis dit que je voulais me spécialiser aussi, connaître les métiers du cinéma. C'est comme ça que je m'ai forgé d'abord en tant que metteur en scène et en tant que formateur. Évidemment, comme vous le savez, je suis un enfant de l'INA. Alors j'avais quand même quelques facilités pour approcher, pour aller apprendre et tout et tout et tout et tout. C'est comme ça que j'ai appris. Je ne peux pas dire que je suis le meilleur, je ne peux pas dire que je suis quoi que ce soit, mais au moins j'ai beaucoup mis ma tête sur la mise en scène, comment travailler la direction artistique d'un acteur. Ça, je pense que je sais faire quelque chose sur ça. Et après, c'est comme ça que je me suis dit, ok, je vais maintenant me lancer dans la réalisation, connaître qu'est-ce qui se passe dans la réalisation, comment on le fait. C'est pas de la magie, c'est comme ça. On a eu des formations, l'ambassade des États-Unis nous a aidés aussi, et quelques formations. On a eu des formations aussi dans l'État, à l'Internet et tout, mais beaucoup plus l'ambassade des États-Unis nous a aidés avec quelques formations. Et c'est comme ça que, Dieu a fait grâce, nous avons écrit le film Kuluna. Okay? Nous avons écrit le film Kuluna. Nous avons aussi fait la mise en scène du film Kuluna. Et c'est un film du groupe Sinark. Non, ça c'est pas du Sinark. Uh-huh. Alors dans Sinark, j'ai réalisé le film La Fille du Serpent. Okay. La Fille du Serpent 1. Dans La Fille du Serpent. Oui, La Fille du Serpent 1. C'est le réalisateur, c'est ça? Oui, mais je ne suis pas seul. Uh-huh. J'ai commencé La Fille du Serpent. Après, j'ai eu un petit souci. J'ai laissé la réalisation. Quelqu'un d'autre a continué la réalisation de La Fille du Serpent, mais les débuts jusque, en tout cas un bon nombre de scènes, c'est moi qui l'ai fait. Et j'avais toujours les yeux sur ça. Et j'ai tourné dedans et je connais le gros de La Fille du Serpent. Et La Fille du Serpent 2 aussi, c'est moi qui l'ai fait. Et il y a encore un film, Vrai Amour, que vous êtes en train de suivre, qui fait aussi son carton sur Internet. Allez sur Sinark Télévision, vous allez voir. Vous allez voir que c'est fait pair. Vous voyez, c'est le Vrai Amour aussi, c'est moi qui l'ai fait. Et voilà, on se bat dans ça. Donc voilà, c'est comme ça que on a fait. Donc je disais Vrai Amour qui est en train de faire son carton maintenant sur Internet, sur Sinark Télévision. Vous allez voir que c'est quand même un bon film avec des bons messages. Et puis nous sommes battus. Évidemment, on ne peut pas dire qu'on fait des réalisations. Je ne sais pas, mais on ne peut pas dire ça parce que nous n'avons pas le moyen. Ah oui. Okay, pour faire un truc de je ne sais pas moi comment, pour rivaliser Hollywood, Bollywood ou Nollywood, je ne sais pas moi quoi. Mais avec les petits moyens que nous avons, là, je lance aussi un message au ministère de la Culture de notre culture, pays. Oui, c'est ça, hein. Nous avons vraiment besoin, nous avons vraiment besoin de votre soutien. Oh, nous avons des qualités. Aujourd'hui, j'ai suivi mon frère Patrick Ken Kalala, que je respecte beaucoup, un grand réalisateur. Je l'ai suivi aujourd'hui. J'ai dit, mais waouh, si nous avons des gens comme ça, on peut faire des films, je vous dis, à couper, à je ne sais pas moi quoi. Quand nous allons vendre, évidemment, très bien notre culture. Vous voyez? Donc, je lance un message au ministère de la Culture. Jetez un œil sur nous. Même au fond de la promotion culturelle, jetez un œil sur nous. On fera un très bon boulot. Mm-hmm. Donc, je reviens en disant que voilà, on a pas filmé, mais nous, on réalise ça. Donc voilà, un grand merci aussi à vous, Nick Larocque. Je suis vraiment très content
ça m'a vraiment fait du bien. Nuclear, je veux aussi savoir quelque chose. Je sais pas, tant bon, ça là, casting, il y a film, l'affiche du serpent. Parce que si aujourd'hui on est avec vous, et on a voulu bien parler avec vous. Parce qu'il y a un problème qui se passe au Yoyebi, la bande de Kobota, la Bisso, Bayebi. Et ça, problème, il y a filmé la fille du serpent. Maintenant, ton YouTube, il y a quelque chose. Casting, Nango. Et bande qui n'est pas les gars qui n'est pas. Je ne sais pas si tu peux nous éclaircir. Pour tout ce éclaircissement par rapport à le casting, Nenge Salamaki. Je ne sais pas. D'abord, Nani Naza. Comment. Les scénaristes, c'est le président Caleb. Le président Caleb. Oui. Et après, casting, vous savez, les castings. Non, mais quand on écrit un film, ok, toutes les personnes qui sont dans ce. Enfin, quand on fait un scénario, toutes les personnes qui sont dedans dans le scénario, ce sont des. En fait, ce n'est pas des personnes, mais c'est des personnages. Des personnages. Vous voyez. Alors, on doit trouver un acteur. Ok, qui va faire ce personnage. Vous voyez, alors, on a regardé, même moi j'ai été casté, même moi, le directeur de casting de la fille du serpent, c'est le président Caleb. Moi je ne peux pas parler exactement sur comment il a fait le casting, mais je pense que c'est un professionnel, c'est notre mentor. En fait, vous avez aussi le droit de parler parce que vous. Vous étiez le réalisateur, vous étiez les réalisateurs. Ben oui, tu as le droit de parler. En fait, tu as seulement le droit de... En fait, il y a un directeur de casting, c'est ça son boulot. C'est toi, tu réalises les films, ok? Quand le directeur de casting, il te présente un tel va jouer ta. Toi, en tant que réalisateur, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes, tu dis, ok, ça... Non. Ça, est-ce que ça va aller avec lui? T'es sûr? Ouais, est-ce que ça va? Ok, ça, non. Et puis j'aimerais quand même expliquer quelque chose. Oui, c'est ça. Quand j'ai dit j'ai la fille du serpent 1, j'ai réalisé avec le président Caleb. Jusqu'à la fin. Voilà, non pas du début jusqu'à la fin, il a continué lui-même. Il était moi j'étais en réalité, je suis assistant réalisateur du premier la fille du serpent. OK? Parce que le deuxième c'est moi, je suis le seul réalisateur et j'ai un assistant. Mais le premier, la fille du serpent, c'est lui-même d'abord qui est la tête. Le président Caleb. C'est lui-même d'abord qui est la tête. Et c'est lui-même qui était le directeur. C'est lui-même aussi qui était le directeur de casting. Moi, j'étais assistant réalisateur. C'est un assistant réalisateur, c'est en fait un réalisateur. C'est en fait le réalisateur. En fait, c'est lui qui fait tout sur le plateau. C'est ça l'assistant réalisateur. Tout ce qui se passe sur le plateau, tout, c'est lui qui gère tout le monde. C'est lui l'assistant réalisateur. Le réalisateur, il est assis devant... l'écran pour regarder ce qui se passe sur le plateau. Lui, il est à côté, assis sur sa chaise de réalisateur. Il a l'écran et il regarde. Et quand c'est pas d'accord, il te signale qu'il faut couper. Il n'est pas d'accord avec X, Y. Mais en réalité, c'est toi qui réalises, c'est toi qui fais là-bas. Tu vois? C'est ça, en fait, la réalité dans le film. Mais maintenant, Nick Larocque, monsieur Tounitou, il y a quelque chose. Tu vois, mon téléviseuse à la radio T. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment à travers notre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. En fait, Tounitou, j'ai un peu éclaircissement. Voilà la raison pour laquelle Nazolo a un peu tout Zalara clair dans la bande de robots à la bisou. Parce que ce qui est au Kébité, Keba te condamné, il y a justice et condamné tout à l'Iboso. Keba. Expliquez-moi un peu. Dans le groupe Nabino, Snark. Tant bon, ça les casting Nabino. Est-ce que bah terre Nabino, toi bah actrice Nabino. Bah quelqu'un qui joue le rôle ou un acteur Nabino, bah jouer c'est la fille. Vous avez qui n'a actrice, toi bah terre, bah qui la capacité ou non, je sais pas. Non, c'est pas ça. La fille du serpent 2, c'est Sarah qui l'a fait. Il y avait aussi un serpent. Sarah Maciel l'a fait, Kimora. Je salue. Nous, on parle maintenant de la fille du serpent, Oyo et cartonné, puis Oyo et Mimi Bisso, Lélo dans la justice. Mais voilà, c'est pour te répondre que. C'est ça que je te posais la question là, quand il y a un groupe Namino Bozala qui n'a pas tout, au Bazala qui est capable d'être pour jouer en loi là ou comment. Évidemment, quand j'ai parlé de Sarah, j'ai donné l'exemple pour te dire il y a des gens qui sont capables. Mais pourquoi pas Moutiaki déjà Sarah? Mais mon frère, le directeur de casting, s'il se dit, on a déjà vu une sœur, ok, par rapport à sa tête, ok. Il a déjà vu une sœur
qui a déjà fait ce rôle et qui a touché le serpent. Plus que Sarah. Non, je dis pas ça. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Quand il a décidé, parce qu'il avait aussi senti que non, la serre avait bien joué le rôle plus que Sarah. Si non, il ne faut pas dire qu'il a joué plus que Sarah, parce que Sarah jouait dans le deuxième. C'est pas parce qu'on manque qu'on l'a pris. C'est pas ça. C'est juste parce qu'il a décidé, lui. J'ai besoin de tel acteur. Ok. Moi, je peux dire. Vous savez, il est arrivé, je suis allé dans un casting avec un petit frère. Le réalisateur dit, moi j'aime ton petit frère. C'est un réalisateur à un autre. Ok. Chacun il fait son choix. Ça dit pas que toi tu es incapable. Mais lui, par rapport à lui, t'es plus beau que moi. Tu fais des choses mieux que moi. Mais le réalisateur dit, moi je préfère la robe. Tu vois, c'est aussi la préférence. Et comme la sœur a déjà fait ce rôle-là aussi, tu sais, elle a déjà fait un film comme ça où elle a fait ça. On s'est dit, bon, ok. Il s'est dit, ok, je prends la sœur. La sœur, elle travaille aussi avec vous? Non, elle n'est pas dans Sinark. Tout comme Ursule Péchang n'est pas dans Sinark. Tout comme Sila n'est pas dans Sinark. Tout comme Kalunga n'est pas dans Sinark. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait donné l'idée que vous puissiez inviter aussi la sœur? C'est un film qui a réuni beaucoup d'acteurs. Tu comprends ça? C'est un film qui a réuni beaucoup d'acteurs. Ce n'est pas seulement la sœur. Non, mais non, là, on parle que de la sœur. Parce que maintenant, on est à la justice, non. On parle que de la sœur. Voilà la raison pour laquelle moi, je vais savoir s'il y avait quelqu'un qui vous avait donné l'idée d'appeler la sœur pour qu'elle puisse jouer dans votre c'est film. C'est le choix du président. C'était le choix du président. Le président a fait son choix. Il a choisi une actrice qui va faire ce rôle. Est-ce qu'on peut savoir, avec Batutu Bota Labisso, quel était le cachet où Bino Bopestagi n'a Batutu Bajoua qui n'a Katia? Non, le cachet, ça se passe entre... entre le producteur et l'acteur. Et qui était le producteur? Le président Khaled. Le président, ben voilà. Sinark Télévision. Vous êtes le directeur artistique du groupe Sinark. Du groupe Sinark. Le film, c'était le film du groupe Sinark. Le film, c'est le film de Sinark Télévision. Il y a une différence? Mais Sinark Télévision, c'est une chaîne de télévision. Ben oui, on est là. Oui. Pouvez-vous nous expliquer? Bon, je vous explique. Ben oui. Sinark Télévision, c'est la chaîne. Le groupe Sinark, c'est la structure de cinéma. Vous voyez? Le film, c'était le film du... Voilà, par exemple, je vous dis quelque chose. Je vous donne un exemple. Par exemple, Junior Kombouzo est le cordon du groupe Sinark. Mais à la chaîne de télévision, il est le directeur général du groupe Sinark. Nickel Larocque, je suis le directeur artistique du groupe Sinark. Je suis le directeur de programme de Sinark Télévision. Des choses différentes. Mais évidemment, est-ce qu'une chaîne de télévision peut être un groupe de cinéma? Non. C'est pas la même chose. En fait, ce qui se passe avec notre sœur, c'est une relation entre elle et le Sinark groupe Sinark. Non, Sinark Télévision. Une chaîne de télévision avec la sœur, c'est ça, non? C'est la chaîne qui a produit le film. Mais moi, tu sais, tout est un peu clair, Nick Larocque. Vous avez battu, vous avez rappelé, mais il y a président Khaled. Même si c'était Sinark Télévision, de produire film, mais tu es moins censé appuyer, caché. Non, je ne suis pas censé. Oui, tu es tout près du président. Non, je ne suis pas censé. Je suis pas censé. Là, en fait, j'aimerais qu'on reste professionnel. La relation entre moi et le président Khaled, il y a aussi, nous avons notre relation privée entre Yann Aleki, ça c'est autre chose. Mais là, on est vraiment en train de parler purement professionnel. Le problème, c'est un problème professionnel. Alors, dans le professionnel, le Sinark Télévision, qui est le producteur du film, qui est représenté par le président Khaled, c'est lui qui a le droit de discuter avec l'acteur. Moi aussi, j'ai joué, j'ai discuté, moi, mon cachet avec le président Khaled. Même moi, on m'a donné. Faut pas... En fait, on cherche à dramatiser cette histoire. Oh, même toi, on t'avait donné les cachets. Ben évidemment, pourquoi on ne paye pas? C'était combien? Non, ça, c'est moi. En fait, ça, ce qui m'étonne, c'est qu'on cherche à dramatiser cette histoire. Tout le monde fait des films. Moi, mon souci, je veux savoir rien que les cachets de qui c'était combien de qui de vous tous. Non, Bino Toubatbojoua qui n'a filmé Wana parce que la sœur aussi était là. Bino Toubatbojoua qui. Comment tu veux que moi je sois
payer de la même manière que Ursile Peshanga, qui a fait 3 rôles dans les films. Mm-hmm. Comment tu veux que moi, je sois payé de la même manière que notre sœur qui était... Qui était l'actrice principale. C'est la sœur. Donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est caché à la qui est plus élevé que vous, c'est ça, non? Ça, c'est pas moi. Mais pourquoi est-ce qu'il y a commune à niveau, on a commune à Bino? Toi, commune à groupe Snark, toi, commune à Snark Télévision, toi, commune à Star Time. Quel niveau? Vous êtes en justice, non? Oui, on est en justice. Mais c'est ça le niveau. C'est ça le niveau. Ok. Donc, comme il a niveau, on nous accuse pourquoi? Ben, c'est à vous maintenant. C'est à vous maintenant de nous donner les explications claires parce que la sœur a dit que vous ne l'avez rien donné. Vous l'avez rien donné. En fait, elle a fait la fule. Peut-être pour un respect, et puis je ne sais pas, pour la confiance, et puis pour respecter qui là. Mais je ne sais pas. Donc, voilà la raison pour laquelle on a ces décisions qui n'ont pas eu les lots. Tout solo là, parce que télévision à la radio t'es aux hommes moutou ou à quoi copier sa mission explication claire puis vrai. Voilà où ça y est, différence entre le groupe Snark et Snark Télévision. Tant que tu vas comprendre ma maman, mais avec la différence que tu viens de faire ici, il y a pas mal de gens au déjà va comprendre en haut. Essaye quand même de nous expliquer encore. Sert à commune à niveau on a n'est pas escroqué tout, je sais pas, bêtise tapé d'eau ou comment. Explique-nous un peu. Bon, d'abord, j'ai beaucoup de respect pour elle. J'ai beaucoup de respect pour elle. C'est quand même une artiste de mon pays. J'aime beaucoup. Elle a très bien fait son travail. Mais et surtout, justement... Matisse, niveau tu suis snark les connaît. Et voilà pour Kekunate. Kekunate. En matière niveau de film en état la mienne. Non, ça c'est des caprices. Ça, ça, je vais même pas entrer dans ces choses. Alors, bon, moi j'aimerais rester dans ce qui est écrit dans l'assignation, d'accord? La plainte. Alors, la sœur ne nous a pas accusé parce qu'on ne l'a pas payé. Non, ça c'est faux. Elle vous a accusé pourquoi? Elle vous a accusé pourquoi? D'abord, il faut savoir que la sœur, elle nous a accusé parce que nous avons utilisé, soi-disant, comme elle le dit, abusivement. Son image, ça c'est ce qu'elle a dit, c'est ce qui est écrit sur les jugements. Et là, elle nous a accusé pour ça, abusivement, de son image. Et puis quand les 100 000 dollars, tout ça c'est des caprices, c'est n'importe quoi. Elle, sur les jugements, elle a écrit, c'est sur le jugement, elle a bien reconnu que le président Caleb lui a montré un contrat de 10 000 dollars. C'est écrit sur le jugement, noir sur blanc, c'est écrit, ok. Et puis, qu'est-ce qu'elle a dit encore que, elle a encore quoi dit pas. Bon, je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais bref, sur machin de 100 000 dollars qu'elle dit, c'est faux parce que c'est écrit noir sur blanc qu'elle reconnaît d'avoir vu un contrat de 10 000 dollars, mais elle dit n'importe quoi. Et sur cette histoire de frais de régie, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est des caprices, ça c'est n'importe quoi. On veut pas entrer dans ça. Moi j'aimerais vraiment qu'on reste dans la roque. Moi je veux pas que toi Kendaralongo bah n'importe quoi, parce que ce sont des choses qui se disent. Et Zolobama est trop vraiment, surtout chez la serre. Mais c'est n'importe quoi. Tu vois? Mais non, tant mon tazo de réclamer quelque chose. Mais écoutez, c'est son droit. Bon, il n'y a pas de souci. C'est moi, son droit. Écoute, s'il te plaît, mon frère. Tu vois, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais juste dire quelque chose. Moi, j'aimerais vraiment qu'on reste dans ce que la sœur nous a accusé en justice. Elle vous a accusé premièrement? Elle nous a accusé parce que nous avons utilisé abusivement son image. C'est ce qu'elle a dit. C'est seulement ça. C'est ça? C'est ça. Mais il fallait beaucoup foutailler, beaucoup c'est bon dans les jugements, elle a reconnu d'avoir eu son argent. Elle a reconnu d'avoir eu son argent. Mais si tu les montants c'était comme dans ton émission. Non, mais moi je te pose la question. Maintenant tu as l'habitude de comprendre. Tout le baloba tout le baloba pour battre mais pas comprendre. Elle avait reconnu qu'Azoua qui monnaie. Les montants c'était comme. C'est pas écrit sur le jugement. Mais elle au moins a reconnu. Elle a reconnu sur le jugement d'avoir eu son argent. Et je te dis, déjà, le fait que je n'acquise pas ces gens, le fait que Rufundi Batuté pour Ozui, pour ma pression bonté, le fait, toi, au reconnaître,
déjà le fait toi mais sur le jugement c'est écrit donc ils ont été au nom bah foutre un bon ils ont utilisation abusivement de Nine. Excuse-moi ma sœur mais je sais pas qu'est-ce qui te prend franchement parce qu'après elle a encore dit que quelqu'un aurait volé ses photos sur Facebook. C'est encore une histoire fausse parce qu'il y a des audios et il y a encore des photos, des screams où elle-même elle a envoyé des photos où elle dit. Moi je pense que c'est pas normal la rock. Soyons un peu des réalistes. Ok. Moi je pense que la sœur a totalement raison parce que qu'on a déjà photo y a mututo, image y a mututo, exposé en haut et presque partout. Sans qu'il y ait à la, comme d'accord, Nayango, tu vois, c'est pas bien. Mais d'abord il faut. En fait, j'attends que tu me poses les questions comme il se doit, comme ça je te réponds. Il y a des questions que j'attends que tu me poses. Tu me poses des questions, comment ça se fait que sa photo soit exposée comme elle le dit là. Comme ça, moi je t'explique. Voilà, je suis là déjà. Bon, maintenant je t'explique. Tu vois, quand tu fais un film, quand tu viens pour faire un film, on est d'accord, notre contrat est bon, tu acceptes de jouer dans notre film. C'est ce qu'on appelle le fait de céder son image. Ok? Tu as cédé ton image à na film et na biso. La personne qui est dans le film, ce n'est plus toi, c'est maintenant le personnage. Ok? C'est-à-dire la personne qui est sur l'affiche, affiche et film et na biso, c'est la fille du serpent. Tu comprends ça? Ce n'est pas la sœur, c'est la fille du serpent. Parce que le fait d'accepter Vini Mbuya, tu acceptes de jouer dans mon film, ok, on est d'accord moi et toi, ok, tu joues dans mon film, tu m'as cédé ce qu'on appelle le droit d'image. Ok? Quand tu me cèdes ton image, moi, maintenant quand ton image, toi tu passes à la télé, est-ce que ce n'est pas toi, c'est la fille du serpent, c'est le personnage que moi j'ai créé, tu vois? C'est le personnage que moi j'ai créé, que moi j'ai. Yewana Skonde Mtu, Aza affiché. Voilà. Yosomona, Osomona film, Oizang affiche. Parce que tu as sali film, tu vas en obé. Non. Tu dois céder le droit de l'image. Quand nous faisons un film, on doit faire la promotion de ce film, oui ou non? Évidemment, oui. On fait l'affiche. Nous avons fait l'affiche de notre film. Nous en avons fait beaucoup d'affiches. Vous l'avez aussi demandé. Est-ce qu'on doit demander ton autorisation? Bah oui, normalement. Non, mon frère. Non, c'est ce que je. Vous posez une photo et un moutou. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Moi, attends. Attends, niveau, s'il te plaît. C'est ce que j'essaie de dire. Déjà, des 1. Le fait d'accepter. Va, renseigne-toi à Tanaba. Si tu veux, tu peux aller dans Sokoda ou bien chez tous les réalisateurs du monde. Le fait d'accepter de jouer dans mon film, tu me cèdes ton image. Ce n'est pas toi. Ok? Et déjà. Quand on est en train de faire l'affiche, on a besoin de tes photos. On vient vers toi. Toi, tu envoies des photos et tu envoies l'audio. Je suis désolé, je n'ai pas ça. J'allais te mettre, mais quand même. Elle avait envoyé des photos. Bien sûr. Mais l'émission est passée chez vous, cher frère. C'est passé chez vous, Congo Tendance. Je crois que Bandeko, Baba Fan, Nabiso, Congo Tendance, chaîne Nabiso, Omona qui est émission. Ok, vous avez vu, Junior l'avait montré. Où est-ce qu'il y a un scrum où elle a envoyé des photos elle-même. Elle a envoyé elle-même et il y a un audio où elle dit ok ma photo est en natindi, binomobo pour naboy bande une bossa affiche na bino. Si quoi dis-moi. Bon, sauf ok na logique na ok fallait toyer bisaye. Si vous avez bindé ni que fallait tinda ba photo, avez bindé ni que fallait tout ça l'affiche. On va bagaille bête. Puisqu'il y a des preuves. Ce sont des choses vraies. Et là, on ne sait pas la vérité. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Ok, vous pouvez en deux secondes. Il n'y a pas de preuves. Donc voilà, télévision à la radio, bon, mais quoi comprendre, la nouvelle tendance en télévision, une chaîne de l'excellence. Donc voilà, comme je vous avais promis qu'aujourd'hui, je serai avec Nick Larocque.
le directeur artistique qui évolue au sein du groupe Snark. Donc voilà, aujourd'hui on est là, toujours Betaka Ramasolo, comme d'habitude, net au Fungolara Ramasolo, toujours Fungolara Ramasolo. Donc voilà, ma épreuve est allée. Salut, télévision et à la radio. Et un grand merci aussi à vous, la personne qui est derrière la caméra couleur. Et merci à l'équipe technique Mobimba Obosungi, Vini Mouyalelo, tous en abino ensemble. Un grand merci à Alain Ndele, Ndele Yaba Alain. Donc voilà, toujours continuer toujours dans Katia et Mission Abisso, Théo Fongola, Marcelo. Donc un grand merci aussi à mon manager, un grand merci à notre sponsor, le vieux Gianni Sita. Donc voilà, Ndega Ramamon, Ozokende. Donc voilà, ceux qui t'attendent, Zambete, Nani Moussousou. Donc Nick Larocque, Aoulouke Labisso, Baprev. Donc Nick Larocque, Aoulouke Labisso, Baprev, parce que télévision, Eza Radio T. Parce que dossier Oyo, moi, ça me fait vraiment mal. Ils ont dérangé vraiment Mouté Mananga. Pourquoi Kaka Maramba Bouyekoui Koleka Nambo Kanabiso Herbat Batal Arabiso Libanda Image ni Tote Kaka Nambo Kanabiso. Entre nous les Congolais, entre nous les artistes, est-ce que Bakako Kenango à la miable Teba Solola? Est-ce que Bakako Marco Luka Terre d'attente le manager de notre sœur, la sœur, le président Caleb? Tout bazar dans tourisme naïe. Bon, quand on nous a terré d'attendre, va ranger ma cam. Donc voilà, nous allons découvrir ensemble avec vous, avec mon invité qui est Lanik Larocque. Neto qui est dans ma rambango, bonjour, on a TPZ Radio T. Donc voilà, ah bah le mi-tembe. Donc il n'y a pas de souci. Télévision, Eza Radio T. Un grand merci aussi à Bato Tubo Soutenir Bisso. Pena Bato Tubo Soutenir Bisso. Et voilà, vous comprendre que Nick Larocque, Azul Kabaprev, on se retrouve après. Parce que moi qui on a nous toujours condamné qu'à président Caleb, président Caleb, président Caleb, président Caleb. Comment qu'on soit image y a mon tout, photo y a mon tout, au exposé à mon sans permission naïe. C'est ce que la sœur avait dit dans la conférence de presse naïe. Bon c'est naïe t'es loco t'es ni malamoro manager naïe y a mon iba plein tout concert. Donc voilà, bisous les gars, plus ma vérité. Je sais pas s'il y a de preuves là. Bon, non, oui, ça vient quand même audio. C'est la serre. Oui, c'est la serre de la Oh, on a tindé la yo. On a tindé 5 photos. Nous, chez Zakla, Claire, on a tindé une. Nous allons comprendre. Bon, on a tindé la photo, non? On a tindé 5 photos. Et ça, il y a un côté. Mais est-ce qu'il y a des comptes à rendre? Je ne sais pas. Parce que tu es eux qui voient ce missionnaire surtout. Bon, il y a des comptes à rendre. On a ma photo pour Kota là. On a ma photo. La photo à la serre. Oui, il y a eu, c'est ça, oui. Le cas Bozo Mounawana, il y a serre Napso Elise. Ma photo là, c'est ça. Ma photo, il y a un téléchargé. Moi, la photo dans la tinda, puis à la screen. Je sais pas le barota là. Oui, bon mona ma photo, c'est ça. Bon mona ma photo. Oh yemoko, bon mona est téléchargé quand dans la tinda. Donc, Nena Lobaki, c'est notre sœur, Azan de Konabiso. On n'a rien contre elle. Et on veut seulement que tout aille bien. Je crois que toutes les démarches ont été faites pour na mona ki obeta li solo ya ya la miable à la miable. Toutes les démarches ont été faites parce que tokomagi na association ANTPC pour na elle est bien dans la famille. Et malheureusement, elle n'a pas voulu à kenela ngobongo qui a afunda na nini. Malheureusement, sœur Nabissazo Bakenga na fundi Caleb te na fundi kaka. Certains, c'est faux, ça c'est encore un mensonge parce que sur l'assignation, sur la plainte, c'est écrit Afund 1, Startime de Caleb Tukeba. Afund Startime pour l'ami. Mais c'est ça, nous avons des questions à Fotunaï. On a Fotunaï à Skoye. Parce que ce Tali n'a pas affiché Wana Oye Azolo Bakeba utilisé abusivement Ninae. C'est écrit un film qui est une exclusivité de Sinark Télévision. Deux films, il y a cinéma, télévision. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à comprendre là-bas? C'est facile. Ok? Ça dit, par exemple, il y a une émission.
Sous un sponsor, on a au 12. Qu'est-ce que moi j'en ai à faire? Rien du tout. Ce qu'il faut peut-être au Changala. Est-ce qu'il faut Changala par rapport à la sponsor? Non. Non? Oh, quand on toyo, quand on pèse yanga et sili. Est-ce qu'on a fondé qui fonde la sponsor? Na ok, na lequel émission na yo yo Changala monga dimi. Alors, on doit abandonner et tout et tout. Est-ce qu'il faut un savon? Je sais pas. Est-ce que tu peux être un réaliste? Est-ce qu'il y a une personne qui est derrière la scène? D'être on a pas question à foutre tout. Non, je suis avec vous non la robe. Tout solo là. Ouais. Zala réaliste. Nandengo zali analyse à Makambu parce que vous vivez dans quatre groupes snaf. Nandengo zala qui n'en est comisico. Est-ce que tu penses qu'il y a une personne qui est derrière la serre? Parce qu'il y a un le quoi au lobby tous à réaliste. Ok. N'abîme pas la réaliste. En tant que pour être réaliste, j'ai tout ce que je sais c'est que la sœur a fondé Bisson à l'État. Ok. Na premier degré bakate libiso et dans quelques jours à Tokende en appel. En tout cas, en étant réaliste, quel est quelqu'un derrière, devant, à côté, Nicolo, ça je ne sais pas. Tout ce que je sais, tout ce que Moutoubiso Tomona, Isaïe. Si elle a quelqu'un derrière elle, en tout cas, Moutana a conseillé bien, il sait non, c'est pas bien. Tant que sous moi, il y a 10 000 balles, mais 100 000 balles, président Kaleba, nous sommes là. Et puis si moi, il y a bon, je ne sais pas, il y a un peu de temps, je ne sais pas. Ou soit besoin qu'il t'en peut expliquer bien la différence entre Snark Télévision et le groupe Snark. 100 000 dollars est un bon délai, oui. Oui, 100 000 dollars est un bon délai. C'est beaucoup d'argent. Il faut arrêter deux secondes, s'il vous plaît. Il faut arrêter de jouer avec les gens. 100 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. Faut pas mettre. Faut pas que tu aies un ça. Oui, bien. À la masse, on a mon Dieu, merci. 100 000 à épeler chez lui. Je profite de saluer, de le saluer, mon frère Dieu, merci. Mon balia, Gaël Mavuela. Papa, na Happiness Chloé. Mbote pena notre femme, qui suppose aller. Alors, 100 000 est belé. Moi, 100 000, on a un gars aussi cool, yo. Toby, tu es aussi comme un zéan, toi, ya. N'est ok, mais 6 ans après. Et un bon est belé. Donc, si quoi, attends, moi, 10 000 dollars, on a la production. Tout n'a pas fait la production. Attends, si quoi, la production, 10 000 dollars, et un bon, qui est ma case? Tu vois? Si quoi, 100 000, quand même, il y a résoudre ma problème, ma vie, à battre belé. Vérité, est-ce que dans le groupe Snark, bactère bazar na ba contrat, tout bactère bazar la payé na éviter. Ouais, bactère va payer. Bazar na ba contrat. Bah oui, on a des contrats. On est dans Snark. Et puis bah tout faut payer bah que contrat ils allaient gaga écrité. Le contrat peut être écrit, le contrat peut être verbal. Il faut que les bactères payent bango. Ok. Sauf que tu fous ta matin à Sina, ils ont un capot, dans ces plagues de talanga, à Jésus Kende. Mais les balobas, vous aurez 20 dollars, 10 dollars, 30 dollars. C'est une net dans la moitié, on a vu la souffrance. Quand ça va 20 et belles. Tu es tombé sous carrière, puis dans Zélan, sous. Dans Zélan, ni. Zélan, pour ces attes, bah, on a dans Zélan, ni. Pour n'aller bien zélo l'ingoloba, bah là nanga zéla, n'ande t'ne zaté, zaté. Toi ban, moi biso toi ban nzambi. Moi je suis un serviteur de Dieu, je crois en Dieu, je sers Dieu. Alors, na monda munazwa kawana, ça me permet de faire ma vie. Sogeye belé broye, bah kese belé nzamba pambol. Ok, na o izawana o place na sala gan nasina, je peux payer ma maison, je peux manger tous les jours, je peux rouler carrosse. Et voilà, et Dieu me fait grâce comme ça. Mais pourquoi toujours comme il y a président Caleb, président Caleb, avec notre sœur Naomi Barcelone, faire un bon au président Caleb. Aujourd'hui aussi président Caleb. Mais pourquoi toujours il y a Kaka Moutoumon, Kokombo Naye Baluka? Mais moi, il y a quand même président Caleb à tourner à Barcelone. Ben oui, mais on a la justice à Barcelone, c'est ça? Si on a tout, mais on a quand même la justice. Non, ma question est celle-ci. Bakenda qui a la justice à Barcelone ou pas? Et ceux qui Bakenda qui? Ils ont l'air pour notre dossier, il y a un bon ou pas? Bon, c'est pas la peine de parler de ce dossier parce que vous voyez,
ok et bah tout et puis ben internet surtout bah na bande qu'on a basé à l'Ibanda vous y êtes très bien magamba on est souk. Vous avez vu comment notre sœur s'est excusée, ok, on t'a forcé à être pas s'excuser, on t'a forcé après vous en a nous l'art après s'excuser non elle est là Barcelone elle avait pas récupéré son argent. Ça, c'est une histoire, c'est une histoire même qu'il ne faut pas en parler, il faut enterrer. Moi, je pense qu'il faut, hein, chers amis, faut pas tout le monde appeler Caleb, on dirait, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a amené son vent aussi dans le cinéma de notre pays, tu sais très bien. Ok? Moi, je suis un peu congolais. Et quand tu es là, tu papa taboulé, tu es un clavier. Papa taboulé. Il fallait d'ailleurs pour te reconnaître que papa taboulé est un clavier. Et tu es un peu comme ça. Tu es un peu les bienfaits des gens, ce que les gens apportent dans notre pays, les artistes, je pense que des gens comme les Caleb, c'est des gens qu'on doit respecter, qu'on doit faire sa honneur. Alors, nous avons dit que 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 nous avons dit. Bon, dossier combien à niveau, tous en appel. Bafundaki, Bakataki 3 millions, Asengaki 3 millions. Asengaki 3 millions. Bakataki 200 000 dollars. Alors, tu as appel. C'est le président Caleb qui va donner ces 200 000 dollars. Le président Caleb a fait ça 100 000. C'est le président Caleb a fait ça 100 000. Startup a fait ça 100 000. Mais, tu as un appel, on fait confiance à la justice congolaise. On dit pas que le juge a fait ce qui peut dégainer à salir ma bêtise ou ma erreur, on ne dit pas ça. Mais il peut peut-être y avoir des petites erreurs qu'on va faire comprendre au juge que voilà, on n'est pas on ne sait pas pourquoi tu as commis un niveau haut. C'est ça, Yangoana et Okesana appelle. On veut savoir pourquoi tu nous as condamnés alors que tu as la macamunios tozanango, Yango, tu as la macamunios Yango. Et le juge il va juger. Mais bon, nous avons besoin de Kumu, je rends grâce à Dieu et voilà, on va aller en appel. Étant que directeur artistique, solution nini où yo trouvé pour la Kopesa, dans les Kambango, Kimia Ekota, et puis Yasser Nabiso Ulysse, et puis notre président Caleb, et puis le groupe SNARC. Étant que directeur artistique, solution nini où yo trouvé ça. Bon, solution, il y a aucun annonce sur l'année qui est tout tantôt sur les assoutins. Solution, il y a un qui n'a pas juge. Il faut ça juge pour coopérer. Juge normalement, il dit ok, c'est bon ou c'est pas bon, accepte-toi. On a évité ce qu'on a dit, Non, je vais vous donner 500 dollars pour proposer qui est en caca, 1000 balles, on est en caca. Juge pas. Mais pourquoi le président Caleb a combien de niveaux proposé 500 dollars, 1000 dollars? Ah, petit naït. A monique petit, à Azoki, à Makam, à Nengwana Silik. A Benga, à Solina, Solina. Mais vous avez vu ce que vous avez dit? Au début de Tinin. Tant que petite sœur a été filmée, vous avez posé 500 ou 1000 balles à Petima et Bomba Payo. Mais il y a tant que moto, il y a tant que moto, ce que vous avez dit, c'est pour Nanin. Parce que tu as tourné, tu as eu ton cachet. Tu as eu ton argent. Le cachet là. Ce que vous mettez le cachet, qu'est-ce que vous avez dans la zone montant caché? Parce que vous avez un peu de montant caché. Qu'est-ce que vous avez dans la zone qui est dans la zone qui est dans la zone qui est la zone qui est dans 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 la zone. Mais la conférence de presse, vous avez dit que vous avez un caprice. Vous avez un peu de temps. Yo kanga ya montant bo kangite tanga ba ke na lika tomate lelo wano bite wano kangite
parce que l'obé ma cambo belé na ba caprice na ike non na yibwe na lika tomate wana bokani 3000 francs pour respecter ba mituka na été wana ka oyo kangi mais ça fait quand même honte hein muta zolo wana ndaku na yaye musala pour na 3000 francs là mais siko yango na wana ka oyo kangi biso to loba wana te mais ngas ko na lingai quand même bino bat bozaki sur place bino bat bozaki na conférence de presse fallait bokanga makamu susu pe bokanga ndaya ki na ba garde mi balé bokanganda biba cortège banini mambo bele bele wana nde fa to bobeta masono bino bobeta masolo ya mambo ya mkemke ba caprice. Voilà, on est pratiquement à la fin de notre émission là encore. On a habité Bourozo, on a tous la justice, c'est pour quand Bon, je pense que c'est au courant de cette semaine. Au courant de cette semaine, on sera là, on appelle et Nzamba Sunga. Je pense que les gens vont bien. Ah, encore comme normalement, Nzambe, c'est pas grave, Nzambe pèse son abino caca et les cabiens. Est-ce que au cours de banana sert quelque chose? Dis-la quelque chose, s'il te plaît. On m'a un petit conseil. Elle est en train de nous regarder. Dis-la quelque chose et puis tu dis quelque chose à tous vos fanatiques. Oh bah je dis Bako Rolanda, c'est quoi. Donc, ça n'a pas bien. Bon, ça, dans le Banane, comme moi, dans le Banane, tu es une bonne actrice. Tu fais bien ton travail et tu es. Et voilà quoi. Continue ça, Moussa, non bien. Et je préfère que tu oses bien. Oses bien. Makamno pesa bien, nous te bénissons et nous prions pour toi. Makamno pesa bien, mais ça l'effort que ma relation est à bien. Makamso sur mon temps au saliboué, au baby si non seulement ma relation na bisoka mais batumso aimso par c'est tellement pété. Je sais que peut-être mon tumso rôle bah on s'en fout, y a pas de souci mais au moins na bisio ça va bien. Tu as une très bonne carrière, je pense que quelque chose à tous vos fanatiques. Voilà, c'est important pour nous. Donc, les fanatiques, nous sommes un groupe Sinar, il y a président Caleb, il y a Ngaïmo, Michel Larocque, les fanatiques, les acteurs, nous sommes un groupe Sinar, il y a Pambo Libino, il y a Pombo Nzambe, il y a le chapeau pour nous, il y a le respect pour nous, Mingi. Alors, nous sommes un céder na ba caprice tebo na ko ba te bele ba ozata ya ko finga non ni bo kita wana te boza likolo hein. En ce moment c'est vrai c'est une période de crise qui va bientôt passer vraiment mbangu ene kana on calmement nous allons continuer à vous donner des films comme il se doit ba o ba te ya marabote ya ma ba oyo ba za détendu tant ba monara par exemple ba monara masala ngai kio de Florian Masamba bazara détendu na ba jeune aye ba monara lekinanga Aïda bazara détendu donc nzambe a pambola bino bo rester ferme pour na mona ba tonsuza mona équipe à football ya na ba tonsuzo a poli malobi ngana ra ngai ngana zara wana neti biso ba madrilien boye donc attendenge nini atato longwe to zaka wana moni donc bana sinar ya solo ba vrai ndenge kulutu na biso père na biso binadam papa chéri jibem piana aloba ba vrai ngape na ba vrai donc nzamba pambola biso na pesa pe mbota aussi ba dédicace et puis votre numéro de téléphone. Voilà, ba dédicace nanga d'abord à mon ami de tout le temps, mon frère Dieu merci mouya papa na épinesse Chloé mon balia Gaël Mavuela. Je salue aussi Monsieur le Prophète, Moussa Nanzambe, Papa Nabiso que je suis beaucoup, Papa Joe Grasse, que je salue, Nalandaki sur Facebook, j'étais béni. Et je salue mon pasteur, le pasteur Valeur Landou. Je salue mon pasteur, le pasteur José Sombo, tous mes frères, tous mes soeurs. Je te salue, toi, le général d'état-major. Quand même, tu sais, voilà moi, Nathan, la mine. Voilà, madame. Je te salue. Madame, hein? Vous êtes qui sont non, tout n'importe quoi, t'es madame, mère, hein? N'aboué qui sont ok, d'accord. Je te salue, le général d'état-major. Et je salue tous nos nombreux fans. Et j'ai beaucoup de respect à mon président. Respect à toi, à tout seigneur, tout honneur, le président bienvenu, Tukebana, Caleb. Respect. Salutations à toi, mon frère, mon ami, mon pote. Mon massa de guerre, de bagarre, Junior Kombuzo, on est ensemble. Gervais Kambala,
Mais merci à toi aussi, mon frère Vinimbu, il y a de très longues dates. Merci. Parce que c'est chez nous. Merci à toi, merci à ma mère Fidèle Deka, mon père Maurice Larocque, Kelly Larocque en Afrique du Sud, Yaya Kouloutou, grand frère Bishop Odark Larocque en France. Mbote na bino nyonso et on est ensemble. Priska Sengo, mbote na yo. Et Batunos na tangite, bo silikate, Trésor Lukusa. Et toute la famille Ngebas, je vous salue. Et l'homme où est Ngasiko Larocque, je sais que vous avez une émission dans Salakina, Ndego na bino. Peut-être tous yo kuta na kati ya groupe to yo, je sais pas. Yaya na yo Melina. Vous avez été conseil à Pessaï président na yo Caleb. C'était parfait, hein, normal. Bon, quand tu as conseillé dans la lettre. Bon, en réalité. Elle avait bien parlé. Hein. En réalité, merci beaucoup, Yaya. Voilà, ma Yaya na biso. Moni wana Yaya. C'est-à-dire, Yaya soit lobby total. So, il faut que tout le monde soit là. Et là, l'objet, ça lui passe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a un président. Il y a un garçon. Si vous avez un bongo, Yaya. Si vous avez un peu de Yaya, quand vous avez un peu de Yaya, Yaya, Obi Babé. Au moins, si vous avez aussi, ça m'a mis à bien, Yaya, on a fini à ma tour. Moi, Yaya. Et puis, tant que finalement, ma tour, il y a Fouka Missinga. Yaya. Donc, et ça, la mona, il y a bien, il y a ma bien, dans l'Obani, en coulisses. Merci, Nick Larocque, votre numéro de téléphone. Pour la bateau, tu vas en apposer à contacter Nick Larocque. Et donc, voilà. Voilà, mon numéro de téléphone, c'est le 00243 89 62 87 247. C'est le 00243 89 62 87 247. Voilà. Ça, c'est mon numéro de téléphone. Un grand merci aussi à vous, Nick Larocque, de nous avoir reçus aussi chez vous. Donc voilà. Et merci aussi encore une fois de plus à toute l'équipe technique qui était là aujourd'hui avec moi. Un grand merci à vous, Couleur, la personne qui est derrière la caméra. Pourquoi pas dédire aussi un grand merci à Jordan Panzou, Panzou Yaba Jordan. Donc voilà. Un grand merci aussi à vous, Gédéon. Donc que les bons dieux vous protègent encore une fois de plus. Et un grand merci aussi à mon manager qui est en train de nous regarder en direct de France. Un grand merci aussi à Yadjani Sita depuis Suisse-Irlande. Donc voilà, un grand merci aussi à Chouchou Natatila, la véritable femme d'affaires. Donc Chouchou Natatila, la véritable femme d'affaires. Et pourquoi pas dire aussi un grand merci à commandant en chef, donc Blanchard Kadhafi. Donc commandant en chef, Blanchard Kadhafi. Donc voilà, et merci pour notre soutien, merci pour notre conseil, merci pour notre motivation. Donc que le bon Dieu vous protège encore là. Je dis aussi un grand merci encore une fois de plus à mon manager. Donc mon manager, mon manager, c'est grâce à vous. Aujourd'hui, on est là donc sur une nouvelle tendance télévision. Donc, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous à Nabiso Tubo. Continuez toujours à vous abonner. Parce que ici, dans notre chaîne, il y a toujours des innovations. Il y a toujours des surprises. Donc, vous ne serez jamais décis. C'était bien moi, votre humble serviteur, Vini Mbouya, l'inspiré de Dien de Karaneb. Sarabino, appelle-moi Mister Turcos Petit, mais Costondes Karanafil, Makunta Kite. Donc, voilà. Aujourd'hui, je te passe celle jetée avec mon ami des longues dates. Merci à vous les célèbres Gucci Kimura. Gucci Kimura, en tout cas. Merci encore une fois de plus. Gucci Kimura de la part de Nick Larocque. Donc, quant à moi, je vous dis merci et puis on se retrouve à la prochaine. Donc, bye bye. Na pesimbote mingi na jano mujana ye vraiment mutunanga ya palais
yende mutayambi biso na kati ya espace bomoni ya kitoko na pesi staff nyonso ya les prophètes na Kasavubu na pesi bino mbote à partir ya gérant Greg na pesi mbote na pesi mbote na mutu na ngai Papi Zimele. Grand prêtre Papi Zimele vient na Claude na batu nyonso staff mobi manzambe ya pambola bino. Merci.